Salut tout le monde. Alors, mardi 26 décembre 2023, je suis au parc du Monde. Donc, il est 11h30 du mat. Et ce sera l'entrée 32. Voilà. Et qu'est-ce que je viens pouvoir raconter encore? Ça va, il n'y a ni canard, ni corbeau pour se moquer de moi, donc je vais pouvoir dire mes bêtises. Donc voilà, je suis bien, tranquillou, pas trop de soucis. Je voulais peut-être commencer à partager ce qui se passe dans la plupart des vies, je pense. Tu sais, tu arrives dans ce monde et tu te rends pas compte, mais en fait, tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu as été assigné. Donc, si c'est au fin fond des favelas au Brésil ou en banlieue parisienne à Aubervilliers, bref, ta famille, tes amis, ton environnement, ça devient en fait ton système qui te, comment dire, qui te programme ou qui te lave le cerveau. Je crois que quand on arrive dans ce monde, très rapidement, on subit une sorte de programmation ou de conditionnement. Certains appelleraient ça un lavage de cerveau. Et ça ne me dérange pas. Je pense que dans le développement d'une personne, tout est lié à un conditionnement. Et qu'en fait, on ne peut pas y échapper. Je ne crois pas du tout au côté... épanouissement, développement, je dirais naturel. Je pense que quand on sait ça, autant proposer à nos enfants un conditionnement, un lavage de cerveau qui soit bon. Par exemple, aux États-Unis, dès l'enfance, il y a ce conditionnement à l'école de saluer le drapeau et donc de développer un sentiment patriote. Et donc, voilà, pour moi, c'est un conditionnement qui est bon. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir zéro conditionnement. Donc, en tant qu'ami, en tant que parent, tout ça, ce qu'il faut souhaiter, c'est de proposer ou de donner un conditionnement à nos enfants qui soit le plus beau, le plus sain possible. Après, sa capacité d'indépendance et de réflexion, ce sera à l'enfant de le trouver éventuellement. Mais et pourquoi je disais ça, c'est que j'ai grandi, j'ai l'impression, en Tunisie, et je suis arrivé très rapidement en France, donc j'ai aucun souvenir bébé, on va dire, de la Tunisie. Et l'environnement, c'est l'environnement que j'ai décrit, culturel, familial, tantôt dysfonctionnel et tantôt chaleureux. Donc j'ai grandi avec ce conditionnement, on va dire, ou cet empilement d'adaptation que j'ai dû développer pour tenir pour vivre. Et je soupçonne grandement qu'en fait, on grandit tous jusqu'à un certain âge, jusqu'à 30, 40 ans, en faisant de la recherche et développement sur nos vies. Je réfléchis à 150 000 trucs à la fois. Il y a eu... c'est marrant, j'ai des flashs de mon enfance là, des souvenirs. Et en fait, je dis recherche et développement, c'est-à-dire que, et c'est Carl Jung qui le dit, qu'en gros, jusqu'à 40 ans, tu fais que des tests et tu définis qui tu es, et c'est à 40 ans que tu commences à vivre, on va dire, de manière intentionnelle. J'avoue que ma vie a surtout été, jusqu'à un certain âge, même avant d'arriver aux États-Unis, ça a été un système d'adaptation et je réalise aujourd'hui qu'en fait,
pour être honnête, je crois que je n'ai jamais pris de décision. Que tout ce que j'ai pu faire, ça a été surtout de la réaction. Il n'y a que dernièrement que je commence à prendre des décisions, on va dire. Et je soupçonne que pour une large partie d'entre nous, la vie se passe comme une succession de réactions que l'on a, assez brillantes. Et on croit que ce sont des décisions, alors qu'en fait, c'est surtout de l'adaptation à l'environnement et aux situations qui nous arrivent. Et être vraiment intentionnel, je pense que c'est difficile. Et ça demande tellement de courage qu'on ne le fait pas. Puisque je pense, comme je le disais dans les vidéos précédentes sur l'enchevêtrement psychologique dans les familles, je pense qu'il y a un enchevêtrement en nous avec notre environnement. C'est-à-dire que ton environnement te conditionne, tu t'adaptes à lui et donc tu as l'impression de réussir dans cet environnement parce que tu reçois un retour lié donc à la cohérence de cet environnement. Et en fait, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc en fait, en grandissant, on développe tellement de certitudes et on croit qu'on est en action alors qu'on est en réaction. Et au même titre que dans le self-defense, dans la vie, l'action est plus rapide et plus effective que la réaction. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a du mal à vraiment décider dans nos vies et on se rend pas compte qu'en fait on est en instinct de survie ou en instinct de protection et on le navigue tellement bien depuis qu'on est petit qu'on s'en rend plus compte, qu'on sait plus qu'on est en survie, on s'amuse, on va au cinéma, on part en vacances et en fait je crois que c'est une manière entre guillemets de faire une avance rapide dans sa vie pour éviter de... Tu sais, c'est lorsqu'il y a un danger qui nous arrive, des fois on préfère se dire qu'il n'existe pas. Et donc je pense que de manière brillante, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé, moi j'ai évolué dans ma vie en fonction de ce qui m'était offert, présenté à moi, c'est-à-dire l'environnement du moment, la banlieue parisienne, et j'ai eu accès à des opportunités incroyables qui sont, je sais pas comment dire, de l'ordre de la chance. Ouais. Et notamment venir aux États-Unis, c'est pas quelque chose que je désirais. J'ai eu un bol incroyable grâce à un ami qui apprécie mon talent, qui a communiqué ce talent à une boîte américaine, qui m'a proposé. Donc en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai utilisé que 5%, 10% de mes capacités à survivre et à trouver des mécanismes de réaction et d'adaptation. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'ai cru que j'allais pouvoir traverser ma vie tranquillou à travers les balles en me disant, peut-être sous un malentendu, je vais pouvoir finir la course tranquillou sans aucun écueil. Et j'ose pas dire que je me suis trompé parce que je pense que pour moi, il n'y a pas d'erreur dans cette vie, il n'y a que des leçons. Et donc, j'ai eu un électrochoc quand j'ai eu mon divorce il y a 9 ans, où finalement j'étais vraiment confronté aux limites d'une vie en réaction. Et donc, délibérément, en grandissant, ce que j'ai fait, c'était d'utiliser mes capacités intellectuelles, émotionnelles pour naviguer cette vie, mais pas forcément être décideur ou être créateur. Avoir un projet de vie puissant, un projet familial épique, tu vois, je voulais juste réussir à survivre. Et quand le divorce est arrivé, je me suis dit, ah ouais, alors là, il y a des limites à mon système. Et c'est là que mon instinct de survie s'est déclenché et que j'ai pu commencer à avoir accès à mes capacités et je me suis mis à étudier des choses qui ne m'auraient jamais intéressé avant. En fait, je réalise que quand j'étais dans ma vie familiale avec mes gamins qui grandissaient, le chien, le chat, tout ça, ça me suffisait. Hein. J'étais totalement heureux et pour moi, le sens de ma vie, c'était d'apporter des choses à ma famille, de pouvoir apporter de la nourriture, de l'argent, des moyens matériels. Et je me disais, voilà,
j'ai l'impression d'avoir réussi. En fait, je me suis mis le doigt dans l'œil parce qu'en fait, c'était un. Aujourd'hui, je le réalise, c'était un fourvoiement parce que finalement, c'est Carl Jung qui dit que ce qui a de plus d'impact sur les enfants, c'est les vies non accomplies des parents. Donc, et là, ça m'a fait un coup. J'ai noté cette phrase plusieurs fois dans mes cahiers. Et donc, en gros, à la fin, je réalise qu'on a un devoir dans cette vie d'être en action, de réussir, et pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour les gens qu'on aime. C'est-à-dire aujourd'hui, je sens une sorte de pression, si je peux l'appeler ainsi, de devoir accomplir des choses, réussir des choses, et pas forcément être en réussite matérielle, même si c'est important, mais surtout réussir à atteindre une sorte de réussite d'authenticité, c'est-à-dire de pouvoir se présenter aux gens qu'on aime tel qu'on est réellement. Et pour ça, c'est un travail de fou, parce que ce rapport à l'authenticité, ça implique déjà de savoir qui on est. Donc, et savoir qui on est, ça peut te prendre une vie. Et donc, il y a 9 ans, j'ai commencé à faire des expériences dans ma vie pour essayer de comprendre ce que j'arrive à articuler aujourd'hui. Et je suis passé de tâtonnement en tâtonnement, et je me suis rendu compte que dans la nature humaine, aussi bien émotionnelle que biologique, tout notre être est fait pour que l'on agisse et que l'on fasse des erreurs. Je pense qu'on a un système qui tire beaucoup plus d'informations de la part de nos erreurs que de la part de nos réactions et de nos navigations où on cherche à limiter la casse. Et donc, il s'est passé un truc, et c'est le divorce a été un premier électrochoc où ça a été tellement dévastateur que pour moi, j'avais vraiment touché le fond. Et le seul moyen de m'en sortir, c'était de commencer à avoir une autre approche dans ma vie qui était d'être en action plutôt qu'en réaction et en accommodement et en compromission, et finalement de reconstruire ou de construire une colonne vertébrale que j'aurais dû avoir lorsque j'avais 16 ans ou 20 ans. Et donc ça fait 9 ans, 10 ans que je travaille là-dessus. Et donc, aujourd'hui, je comprends à quel point cette vie est d'une richesse incroyable si on accepte de la voir comme un terrain pour nous, pour créer des choses de manière intentionnelle. Je pense qu'on a en nous des capacités inespérées, et la majeure partie d'entre nous vont passer cette vie sans même les exploiter, sans même y avoir accès. C'est comme si on passait nos vies à 5%, 10% de ce qu'on était capable de faire. Et je ne parle pas de réussite matérielle ou de choses que l'on peut accomplir, mais même notre capacité d'émerveillement, notre capacité à être en harmonie et en phase avec ce que j'appelle l'univers ou le concept du Tao, d'être en découverte de nous-mêmes à travers l'alignement que l'on peut se permettre avec ce qui nous entoure. Donc ça veut dire développer et apprécier notre quotidien, tous les moments, et de commencer à voir les messages qui nous sont envoyés. Et il y en a des milliards par jour. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si on n'est pas en intention, si on ne décide pas d'être créateur, si on décide juste de faire le zigzag dans nos vies et de juste payer les factures, et se payer des vacances et regarder de l'autre côté, parce que regarder en face nos vies, c'est de la souffrance, c'est très difficile, et ben je pense que c'est un sacrilège. Sacrilège dans le sens métaphysique, religieux, ou un déshonneur. Et moi,
depuis que je suis tout petit, j'ai toujours un rapport, j'ai toujours du mal à faire les choses sans qu'elles aient de sens pour moi. C'est pour ça que j'ai eu de grandes difficultés à l'école, parce que pour moi, je ne voyais pas le sens de tout ça, ce système. Et pourtant, j'ai rêvé toute ma vie d'être quelqu'un de normal, comme on dit aux États-Unis, d'être un normies. Je n'ai pas de jugement de valeur, je ne critique pas les gens qui accomplissent les choses normales, avoir une maison, payer des vacances, mettre de l'argent de côté, préparer la retraite. Mais moi, ça m'a jamais inspiré, ça me faisait l'effet contraire. Et j'avais besoin de trouver ce sens. Et grâce aux épreuves de la vie, les horreurs que tu traverses depuis l'enfance, c'est les opportunités. Le divorce a été la première claque qui m'a fait dire voilà. Ça a été tellement une épreuve pour moi que pour survivre, j'ai dû faire plein de conneries pour tenir la distance. Et j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai créé beaucoup de souffrances, notamment chez mes enfants, parce que j'étais totalement en survie et en reformatage, on va dire, en reprogrammation, parce que tout ce que j'avais appris jusque-là avait été utile jusqu'au moment de la séparation, du divorce. Et donc, aujourd'hui, j'en parle avec vous pour vous dire que on vit une vie de malade et je pense qu'on gratouille juste la surface. Parce que je pense que pour vivre cette vie, pour pouvoir aimer, pour pouvoir recevoir l'amour, il faut être tellement fort et courageux que je pense que la majorité d'entre nous préférons plutôt nous accommoder et aller aux mêmes endroits et vivre les mêmes expériences. Et qu'en fait, c'est quand même plus simple de se créer un univers rassurant, chaleureux, tranquillou. Parce que accéder à nos capacités, accéder à vraiment qui nous sommes réellement, on sait que ça aura un coût. On sait que ça ne va pas se passer gratuitement. On sait qu'on risque de perdre des amis, on risque peut-être de perdre de l'argent, on risque. Je pense en tout cas que pour certaines vies, comme la mienne, je ne peux pas me conformer à la normalité et que dans ce cas ça veut dire que je suis forcé de devoir déployer mes ailes. Voilà, il n'y a pas pour moi, j'ai pas d'autre option et c'est pour ça que j'ai appris petit à petit à être initiateur, décideur et de déployer cette colonne vertébrale et j'invite tout le monde à le faire. Parce que on est tous liés et qu'aujourd'hui, si je réalise que je dois vraiment m'accomplir, c'est parce que c'est nécessaire si je veux honorer les personnes qui m'aiment, mes enfants, mes neveux, mes amis, les enfants de mes amis. Parce que si j'échoue, non seulement ça peut être dramatique, mais en plus, ça peut aussi nuire au développement des autres. Et je pense que... Et encore une fois, quand je dis réussir, ça ne veut pas dire gagner de l'argent, passer à la télé, j'en sais rien. Ça veut dire découvrir ses capacités en nous. Et quand on les découvre, elles peuvent permettre à nous découvrir nous-mêmes. Et si on arrive à se découvrir nous-mêmes, donc on atteint une capacité à pouvoir être authentique en toutes circonstances, et si on arrive à être authentique, donc on peut commencer à offrir notre cadeau aux autres, au monde, à nos amis, sous la forme d'inspiration, sous la forme d'amour, sous la forme de créativité, sous la forme de solutions aussi. Donc, parce que faut se le dire, on est dans une vie où en fait,
petit à petit, de génération en génération, on apprend petit à petit à camoufler de manière brillante nos moments d'inconfort, d'insécurité, nos moments de tristesse. On se dit, bon, je ne vais pas faire chier le monde avec mes problèmes et mes souffrances, alors qu'en se déployant, en devenant plus fort, en assumant nos qualités, en découvrant nos capacités, parce que je pense encore une fois qu'on n'utilise pas beaucoup de nos capacités et nos caractéristiques, ce qui fait notre unicité, eh ben, on peut encore moins recevoir l'amour des autres si on ne peut pas, nous, serrer les autres dans nos bras, si on ne peut pas être une ressource pour les autres. Donc, et il y a aussi un rapport au sacré pour moi, c'est-à-dire que quand tu vois que l'univers a l'air d'être infini, s'il l'est, bon, scientifiquement, il y a une vitesse d'expansion de l'univers, donc ça sous-entendrait que l'univers est limité, et on n'en a pas de preuves. Mais si l'univers a réussi, et je pense que c'est lié à une intention et à une forme d'intelligence, à créer cette vie, cette nature, hein, l'humain, c'est qu'en fait, on est... c'est quelque chose de tellement extraordinaire, le fait que l'univers crée l'unique et l'individuel, que c'en est de l'ordre de l'extraordinaire à un point que ça dépasse l'entendement. Et donc, sans vouloir faire de soupe de mots, j'essaie de dire que tout est lié, que si on veut vraiment s'accomplir dans cette vie, il faut être humble et en même temps extrêmement fort, extrêmement, voire tout essayer, toutes les expériences possibles. Je ne parle pas des expériences qui te détruisent ou qui t'endommagent, je parle d'oser se présenter au monde. Et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs cette chaîne pour avoir un autre rapport avec moi-même, un rapport plus profond, même si ces vidéos peuvent apparaître superficielles. Mais et c'est un tel effort pour moi, parce que j'ai pas dans le fond un désir de me présenter au monde. Je préfère me présenter à travers mon travail, mes créations, mes films. Mais je me suis dit que voilà, je commence à découvrir, et ça c'est grâce aux claques que l'univers m'a donné, ou Dieu, que m'a donné dans ma vie, et aussi parce que l'électrochoc d'un divorce et d'épreuves que j'ai rencontrées après va te rendre hyper humble, dans le sens où te dis ok, bon ben il faut que je m'accomplisse, parce que sinon ça va être une catastrophe intergénérationnelle, tu vois. Donc, et c'est pour ça que il y avait 1 milliard de questions auxquelles je voulais pas me poser avant mon divorce. Et après mon divorce, j'ai commencé comme je le disais, à me battre pour être intentionnel. Et puis notamment, là, je me fais des carnets comme ça. Et là, on le voit. Ouais. J'en ai plein comme ça. Celui-là, c'est un petit pour mon quotidien, mais j'en ai d'autres. Et j'ai pris des notes. Je me suis retrouvé. J'ai eu l'impression de devenir un écrivain qui écrit ses notes. Et ça a pris encore plus d'ampleur il y a 5 ans. Et je me suis posé la question, entre autres. Et j'ai eu des réflexions et des recherches sur. Et je me suis posé la question de choses. Que je ne pouvais pas voir avant, c'était le qu'est-ce que ça voulait dire une famille, qu'est-ce que ça voulait dire être un père, qu'est-ce que ça voulait dire être une mère, au-delà de ramener à manger et de créer un cadre chaleureux. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une obligation d'honorer mon nom de famille et peut-être créer de nouvelles fondations pour mon nom de famille, afin de pouvoir approcher des concepts qui m'étaient indifférents à l'époque, notamment la notion d'héritage, de legacy familial, de saga. Et je me suis dit, mince alors. Et je me suis rendu compte qu'à quel point la vie offrait une richesse de fou, quoi. Et que ce qui compte, c'est juste qu'on décide
de commencer à être intentionnel dans nos vies. Quand je dis intentionnel, je ne parle pas de, d'organiser les prochaines vacances ou comment passer le temps le plus rapidement en étant en joie, mais plutôt d'être intentionnel par rapport à ce qu'on veut offrir à ce monde, ce qu'on veut offrir à, éventuellement à notre descendance, ce qu'on veut offrir aux gens qu'on aime. Et moi, donc, de manière active, ça fait 9 ans que je me gratte la tête pour essayer d'honorer la création, pour honorer mon nom et me l'approprier afin de pouvoir créer un héritage spirituel, mythique et peut-être matériel pour mes enfants, mes amis, et ma descendance, on va dire. Et donc j'ai écrit ce set de valeurs, ce texte que j'ai écrit et que ça m'a mis des années à articuler et que j'ai pu écrire au mois d'août de cette année. Et je vais finir cette vidéo avec ce texte que j'ai écrit pour peut-être encore mieux vous faire comprendre ce rapport, cette idée qu'en somme, on ne s'appartient pas et qu'en fait, on a un devoir de réussite. Pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Les autres, ça peut être nos ancêtres, comme ça peut être un ami très cher, ou nos enfants, ou notre compagne. Voilà. Donc, Santa Monica, 23 août 2023. Ben Abdallah, ou la volonté, le cœur et le courage. La volonté est la forge sur laquelle les destins sont façonnés. C'est l'esprit inébranlable qui déclare « Je ne fléchirai pas, je ne faillirai pas, même face à l'adversité la plus sombre. » La volonté est la première cause de tout ce qui existe, la source d'une grande détermination et la capacité de persévérer malgré toutes les difficultés. Elle résiste à la médiocrité, à l'oppression et à la résistance. Et la volonté nous portera vers un avenir d'amour, de paix et de prospérité. Le cœur est le siège de notre empathie, la racine de notre humanité. Il alimente la volonté, lui fournissant un but et une direction. Un homme sans cœur se bat pour rien d'autre que des victoires vides. Cependant, un homme doté d'un cœur mène des batailles qui honorent et élève et protège son héritage. Sans cœur, notre volonté est aveugle, et avec le cœur, notre volonté a une vision, un sens et une direction. Le courage est le catalyseur, l'élément alchimique qui transforme le potentiel pur en réalisation concrète. Il sert de facteur décisif entre la résistance et l'action, l'étincelle qui allume le carburant de la volonté et du cœur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le jugement que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Comme le disait Napoléon Bonaparte, le courage n'est pas d'avoir la force de continuer, c'est de continuer quand on n'a pas la force. Et pour conclure, la volonté, le cœur et le courage forment la trinité des vertus sur lesquelles nous, membres de la famille Ben Abdallah, devons constamment nous appuyer. Lorsqu'ils sont possédés, ces vertus nous permettent de faire face à n'importe quel défi, de traverser n'importe quelle tempête et d'émerger de l'autre côté, non seulement non brisé, mais plus fort que jamais. Atem Ben Abdallah, fils de Mahmoud Ben Abdallah, père d'Hicham Ben Abdallah et de Leila Ben Abdallah. 23 août 2023. Voilà. Il m'aura fallu toute une vie, des claques, des épreuves pour être intentionnel et pouvoir articuler cette intention et ce texte. Voilà. Je vous embrasse, force et honneur. À très vite. Ciao.